tout véritable serviteur de Dieu dans notre génération, où il y a tellement, le péché a atteint son paroxysme, où nous avons le mal à gauche et à droite, où nous avons aujourd'hui, bien aimé, ça se passe devant nos yeux, où nous voyons par exemple Joe Biden qui est le président des États-Unis et qui va aller mettre comme son ministre à la santé un transsexuel. Ça se passe sous nos yeux. Il n'y a aucun prédicateur dans notre génération qui pourra demeurer en paix face à cet esprit-là. Tout véritable serviteur de Dieu qui aura l'esprit de Dieu sera attaqué, sera cerné, sera malmené, sera traîné de part et d'autre, à gauche et à droite. Élie dit, ils ont attaqué tous les prophètes. Et moi, je suis demeuré et ils cherchent à m'ôter la vie. Si dans notre génération, tu es prédicateur et le monde t'aime, le monde t'accepte, le monde t'acclame, on ne te bouscule pas. Je me pose la question, si c'est le Dieu des cieux que tu es en train de servir. Je me pose la question, on fabriquera des choses contre vous, on montre.